Hey, bonjour à tous les amis, c'est Brazy, votre gamer favori. On se retrouve donc pour la boutique du jour de Fortnite du 14 avril 2024. Waouh, du 14 avril 2024, pardon, excusez-moi, j'ai loupé. Avec toujours à la une le pack Conchella Interstellaire pour 3000 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Horizon, tenue série icône avec ses versions Lego pour 1500 V-Bucks. Cosma, tenue série icône avec ses versions Lego pour 1500 V-Bucks. La pulsation de Conchella, c'est la pioche pour 800 V-Bucks. Papillon Interstellaire, c'est l'accessoire de dos pour 400 V-Bucks. Diablesse, c'est la petite emote série icône pour 500 V-Bucks. Surf Sonic, c'est la deuxième emote série icône pour 500 V-Bucks. Et le synthé pastel, c'est leur petit revêtement d'armes pour 500 V-Bucks. Donc animé réactif. Si je dis pas de bêtises, voilà, oui. Ensuite, vous avez le pack piste de Coachella 2024, donc avec 1, 2, 3, 4 pistes musicales, donc pour 500 V-Bucks, la piste musicale. Ensuite, vous avez la guitare reflet de Mirage, qui est la petite guitare pour 1000 V-Bucks. Le clavier Coachella, donc qui est le petit clavier pour 1000 V-Bucks également. Donc ensuite, vous avez Make Man Mesure, donc c'est une petite piste musicale, Paint the Toon Red, une deuxième pour 500 V-Bucks, la troisième What in God, et la quatrième Song 2 pour 500 V-Bucks. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne le pack Conchella. Donc c'est tout à. C'est ce que. Voilà, je veux dire, c'est tout ce qui découle du pack Conchella que vous venez de voir. Ensuite, vous avez le retour de Chloé Kim pour 1500 V-Bucks avec son Imbola qui est son planeur et la volute glaciale qui est sa petite pioche. Pour 800 V-Bucks, Nimbola et la pioche pour 800 V-Bucks, pardon. Ensuite, vous avez le pack de casier de Loyana, donc pour 2200 V-Bucks, avec la fendeuse de cœur pour 1500 V-Bucks. Noctambule, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. La fièvre du disco, c'est sa petite emote pour 800 V-Bucks. Et Zero Radius, son petit revêtement d'armes, donc pour. Qui est animé pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez sur le pack Zuko et Katara, donc pour la collab Avatar pour 3200 V-Bucks. Hors pack, vous avez le pack Zuko pour 2000 V-Bucks, le pack Katara pour 2000 V-Bucks également, le pack Toph Bifong donc pour 2000 V-Bucks et Tourbillon d'air qui est sa petite emote pour 500 V-Bucks, voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez une nouveauté à la une avec la cartoucheuse, avec la tenue de la cartoucheuse pour 1200 V-Bucks qui fait son retour, donc avec ses deux customs. Elle connaît la jungle comme sa poche, c'est parti à Sambaru des Tropiques, saison 8, premier chapitre, donc avec ses deux customs comme vous voyez actuellement à l'écran. Avec sa version Lego pour 1200 V-Bucks. Le cartoucheur, donc il est parti du même ensemble, donc avec ses deux customs. Voilà, sa version Lego et l'armurerie portative qui est son accessoire de dos avec ses deux customs pour 1500 V-Bucks. La machette, c'est leur pioche pour 500 V-Bucks. L'hélico de guerre, c'est leur petit planeur pour 1200 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack Néon pour 1800 V-Bucks, avec toujours Nocturna en tenue pour 800 V-Bucks avec sa version Lego. Luminex avec sa version Lego, donc sa tenue donc normalement atypique au départ pour 800 V-Bucks. Le bâton luisant, c'est leur pioche pour 800 V-Bucks. L'étincelant, c'est leur petit planeur pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous êtes sur le pack Façade des Innes, donc saison 2, chapitre 2. Donc la tenue change, les motifs, etc. avec la musique. Avec Noctula, la patronne de la fête, la diva de la fête, la star de la fête. Ensuite, vous avez Acuité qui fait partie de l'ensemble Néo Ninja. Donc. Ouais, c'est Neo Ninja, non pas du tout, peut-être pas. C'est l'ensemble, oui, Neo Ninja saison 2, chapitre 2, donc elle a ses différentes customs pour 1200 V-Bucks, avec ses couteaux luminescents et sa pioche pour 1200 V-Bucks avec ses 3 customs. Ensuite, vous êtes sur le pack étincelante, donc pour 2500 V-Bucks, donc avec brillance, avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks. Faisceau, avec son accessoire de dos, avec sa version Lego pour 1500 V-Bucks. Fioplulé, c'est leur pioche pour 800 V-Bucks. Les Classonics, c'est leur vêtement d'armes animé pour 500 V-Bucks. Et les ailes brillantes, c'est leur petit planeur pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de Folle du Bitume, donc qui fait partie de l'ensemble Route Cruelle saison 3, chapitre 2, avec sa version, avec ses deux versions, pardon, voilà, masquée par défaut, avec sa version Lego, avec ses ailes usées qui sont un accessoire de dos, le tout pour 1200 V-Bucks. Le pack Sika avec ses deux customs, donc elle fait son retour, elle fait partie de l'ensemble Dominateur saison 5, chapitre 2, avec sa version Lego. Avec son arsenal d'élite accessoires de dos, la faveur de la reine, c'est sa pioche. Et Cerber, c'est son petit planeur, de tout pour 2100 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Sika avec ses deux customs, sa version Lego et arsenal d'élite accessoires de dos pour 1200 V-Bucks. La faveur de la reine, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Le Cerber, c'est son petit planeur pour 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de la pisteuse des marées, donc qui fait partie de l'ensemble dans la saison X, premier chapitre, donc avec sa version Lego pour 800 V-Bucks.
La Proie de la Jungle, donc il est parti encore plus forte que les buissons, saison 2, premier chapitre. Donc ça va sur Lego pour Issan Ebba qui fait son retour. Safari qui fait son retour avec ses trois customs, donc en tenue. Bah, avec sa tenue, tu vois, pardon. Avec ses trois customs. Elle fait partie de l'ensemble West Indomptée saison 3, chapitre 2. Donc avec sa version Lego, avec son porte-flingue accessoire de dos, la dague d'extraction c'est sa pioche, et le trésor est ici, c'est son petit revêtement d'armes animées, le tout pour 1500 V-Bucks. Hors pack, vous avez Safari avec ses 3 customs, sa version Lego et porte-flingue accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. La dague d'extraction c'est sa pioche pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez Odyssée, toujours pour 1500 V-Bucks, avec son épée d'éternité qui est sa pioche pour 800 V-Bucks. Astra pour 1500 V-Bucks, donc elle fait partie de l'ensemble Étoile filante saison 1 chapitre 2, donc avec ses deux customs, sa version Lego et Belle Étoile qui sont accessoires de dos pour 1500 V-Bucks. Gouache, donc qui partira ensemble étanché saison 6 chapitre 2, donc avec sa version Lego. La tenue est réactive, les âmes des adversaires des défunts apparaissent sur vous. Et donc, son accessoire de dos Grise Mine, donc pour 1500 V-Bucks. Pyjama requin et ses trois customs, donc il partira sans gros appétit saison 3 chapitre 2, donc avec ses deux customs, avec sa version Lego et son squelette dorsal accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de Pyjama, la pizza Pyjama, donc pour 1200 V-Bucks, avec sa pizza hache qui est sa pioche, le 4 fromages c'est son planeur. Ensuite, vous avez toujours Sagan pour 1200 V-Bucks, ou pas d'ailleurs, pour 800 V-Bucks, pardon, avec sa version Lego. Et Stellam, gardien de la faille pour 1200 V-Bucks, donc avec sa version Lego et son étoile de gardien qui sont accessoires de dos, donc pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez toutes les pistes musicales donc, que vous pouvez écouter, du Gaga, du The Weeknd, et j'en passe, et des meilleurs. Ensuite, vous avez toujours le pack Lady Gaga pour 2000, donc toujours Seigneur Icône, avec le pack Gaga, Lady Gaga, donc pour 2800 V-Bucks, qui comprend Gaga Chromatica pour 1500 V-Bucks. La basse Chromatica, c'est sa basse pour 800 V-Bucks. Le micro Chromatica, son petit micro pour 800 V-Bucks. La pluie d'exaltante, donc qui est sa petite emote pour 500 V-Bucks. Et pour finir, la piste musicale Stupid Love pour 500 V-Bucks également. Donc voilà. Ensuite, vous avez toujours Equipez-vous pour le Fortnite Festival avec la Guivache, qui est la petite guitare. Le rétro, c'est le micro. La fracassante, c'est la petite basse. Et le kit de perturbateur, qui est la petite batterie. Alors pour 500 V-Bucks, 800 V-Bucks, 500 V-Bucks et 500 V-Bucks, j'ai oublié de dire les prix. Ensuite, vous avez toujours le Fortnite Flow, donc avec la Get Ready, la petite emote série icône pour 500 V-Bucks, Jingle Ball également pour 500 V-Bucks, c'est parti pour 500 V-Bucks, Maiae pour 400 V-Bucks et Best of Love donc pour 500 V-Bucks, donc c'est-à-dire c'est une emote synchronisée, donc... toutes les emotes sont série icônes. Ensuite, vous avez toujours le pack de casier de Power Shang, donc pour 2500 V-Bucks, donc avec agent secret pour 1500 V-Bucks, avec sa chimère de feu qui est son petit planeur. La hache astrale, c'est ça. La hache astrale, c'est. Allez! La hache astrale, c'est sa pioche. Et pour finir, Rêverie qui est sa petite emote pour 800 V-Bucks. La hache astrale pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack de Flavon Bilomotac, le pack Loup-Garou pour 1500 V-Bucks. La chakram, c'est les roues. C'est les roues, le Tycoon, donc c'est le petit turbo pour 400 V-Bucks, et Turbo Missile, c'est le deuxième petit turbo pour 250 V-Bucks. Le pack Jaguar, donc avec le pack Jaguar pour 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez pour le Lego Fortnite, donc tu vois que le pack Chevalier du Lion pour 2500 V-Bucks. Après, vous avez le kit Choix du Chevalier pour 1400 V-Bucks. Le Muraille de Chevalier pour 1900 V-Bucks, le choix du mage pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack d'Hamburger pour 2000 V-Bucks, avec Boss Burger pour 1500 V-Bucks, avec le QG d'Hamburger, le petit kit pour 1800 V-Bucks, et décoration extérieure pour 600 V-Bucks. C'est tout pour le Lego Fortnite. Ensuite, vous avez toujours la possibilité d'acheter le pass de combat, 25 niveaux de pass de combat pour 1850 V-Bucks, le pass festival pour 1800 V-Bucks avec Gaga Chromatica, le pass élémentaire pour 1000 V-Bucks, donc là, si vous voulez avoir la suite, donc c'est le petit pass voilà, qui est ici. Vous avez une partie gratuite et la deuxième payante, donc pour 1000 V-Bucks, vous pouvez débloquer l'autre partie pour avoir le skin d'avatar. Ensuite, vous avez toujours le pack Fortnite de quête démarrage Fuse pour 9,99€. Le pack de Gardien de la Galaxie pour 28,99€. Le pack Winderman 2.0, donc avec un accès permanent à la campagne sur le monde. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant la quête quotidienne dans le monde. Terminez la défense du bouclier anti-sabot de base de 3 pour déverrouiller les quêtes et entamer ce pack de défis. Ensuite, vous avez toujours le pack de démarrage Opération Firo pour 3,75€.
Et pour terminer, donc vous avez toujours la possibilité de souscrire au club Fortnite pour 12 € par mois. Depuis le mois de décembre 2022, vous avez l'ensemble de fidélité au club, des objets cosmiques exclusifs au club, dont vous pouvez taper des verrouilles chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous tenez les Rocket Pass Premium, donc grâce à votre abonnement au club, accédez aux Rocket Pass Premium de Rocket League sur appareil compatible. Plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Si vous avez un pass de combat, il vous propose 950 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à date de réservation du club. Et ce mois-ci, c'est toujours Arès avec sa version Lego. Sa cape de guerrier en cadeau, hein, toujours, donc avec l'accessoire de dos cape de guerrier, pour finir la Dory l'immortel qui est sa pioche. Donc voilà, tout ça pour 12 € par mois, les amis. Si vous souscrivez déjà aujourd'hui, Club Fortnite va nous arrêter de cette vidéo. Si vous avez plu, n'oubliez pas de liker, la commenter, la partager, c'est très important, les amis. Partagez la chaîne, partagez vos amis, à votre famille, franchement, faites-la grandir. On est bientôt au 3K, mais on n'y est pas encore, donc il faudrait les dépasser, ces 3K, et aller beaucoup plus haut. Ce serait vraiment super, franchement, hein. Donc n'hésitez pas donc à liker, commenter et à partager les vidéos. Et la chaîne tout simplement en général. Si t'es pas encore abonné, vous êtes encore 80% de palette, c'est impressionnant, vous êtes 80% à regarder la chaîne. Et ça, je sais pas si elle vous plaît vraiment, vous avez qu'à vous abonner. C'est gratuit, c'est en bas à droite de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner. Vous ne pouvez pas activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines sorties vidéo. Et pour le soutien, vous le connaissez par cas, c'était le code de l'année 2023, maintenant c'est celui de 2024, c'est le code Brasier en majuscule, en minuscule, on s'en fout, ça marche quand même, vous mettez fouillé, moi ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, et à bientôt, bye bye.